Merci Philippe, chers ligueurs, chers amis, je suis ravi d'être avec vous. Beaucoup de choses ont déjà été dites et on va démarrer tout de suite donc, sur cette question, les communs comme réponse systémique, et au risque de paraître un peu gommeux, je vais commencer par une citation de Marx qui me paraît tout à fait d'actualité. Cette citation de Marx, c'est la suivante. En cas de guerre mondiale, je fous le camp à l'étranger. Je parle de Groucho Marx, évidemment. Et ça me paraît tout à fait résumer l'absurdité de la situation dans laquelle nous vivons. Donc, diapositive suivante. Donc, parler de réponse systémique à une crise systémique, évidemment, ça n'est pas répondre par l'esprit de système. On voit tous les défauts de l'approche de l'esprit de système. Alors évidemment, ça se développe beaucoup dans le milieu universitaire notamment. On veut promouvoir des approches systémiques avec de ces schémas où, vous savez, il y a des flèches un petit peu dans tous les sens. Donc je vous épargnerai ce modèle sur l'émergence de l'obésité dans le monde pour essayer de donner un petit peu plus de pensée concrète et opérationnelle à tout ça. Diapositive. Et donc, ce n'est pas céder à l'esprit de système que de souligner la concordance d'éléments de la crise sanitaire. Je voudrais prendre deux exemples, un au niveau mondial et un au niveau francilien. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites, certaines ont déjà été rappelées, mais pour les mettre en perspective, pour voir ce qui fait système et peut-être pour cerner quelques-uns de nos communs, que ce soit nos communs ou nos biens communs. Donc, diapositive. Ça a été évoqué, cette interdépendance que nous avons dans le monde, cette image des flux aériens, vue du pôle, à la fois de personnes et de marchandises, qui nous font être interconnectés avec la planète entière et qui montrent notre interdépendance. Deuxième exemple. Ce processus d'urbanisation, personne ne sait exactement quand, en 2006, le taux d'urbanisation dans le monde, c'est-à-dire la fraction de la population vivant dans les villes, est passé au-delà de 50%, et les courbes de population urbaine et de population rurale ne se recroiseront pas. Il en ressort d'immenses foyers cette année. On a l'exemple avec l'Afrique du Sud actuellement, non vaccinés, avec des conditions d'émergence de variants. On en a cette bonne illustration. Donc voilà cette carte des foyers de peuplement qui évidemment interroge les discours néo-malthusiens sur le surpeuplement de la planète. On voit bien qu'il y a d'abord un problème de répartition de cette population. Diapositive suivante, la perte de biodiversité, qui semble être un facteur majeur, enfin qui est un facteur majeur d'émergence d'un certain nombre de virus ou de contact avec des nouveaux virus liés à la déforestation. J'ai travaillé récemment au Gabon et il y a des cessions de terres très très importantes qui sont faites à des gens qui cherchent des métaux rares et qui pour le coup vont nous mettre au contact de milliers de variétés de chauves-souris qu'on ne connaît pas encore et qui sont réservoirs d'un certain nombre de pathogènes. Je passe. L'agriculture, l'élevage, l'aquaculture de type industriel, dont on a vu absolument les ravages, c'est vrai pour la grippe porcine, c'est vrai peut-être, c'est vrai pour toute une série de ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire des interactions entre santé humaine et santé animale. Et maintenant, on insiste encore davantage au travers du concept de One Health sur les interactions entre guillemets, santé de l'environnement, santé humaine, santé de la faune à la fois sauvage et domestique, tout ça est en interaction. Et l'aquaculture, notamment l'élevage industriel, représente une réelle menace sur notre santé. Suivante. La traduction, évidemment, c'est l'antibiorésistance. Je vous rappelle qu'une très forte majorité des antibiotiques consommés sont des antibiotiques consommés à des fins d'élevage, d'aquaculture, pour faire grossir le cul des vaches, etc. Et cette carte montre comment la résistance aux staphylocoques dorés chez le porc est proportionnelle aux échanges et donc qui constitue un authentique risque. Diapositive suivante.
Les pollutions, évidemment, et quand je dis pollution, c'est qualité de l'air, mais c'est aussi les pesticides, pollution de l'air intérieur et extérieur, ce sont les pesticides, etc., avec toutes ces conséquences immédiates, mais également ces conséquences différées. On insiste, beaucoup de gens travaillant dans l'épidémiologie de la psychiatrie, par exemple, insistent sur l'impact sur la santé des adultes, d'adultes qui ont été avant enfants exposés à multiples pollutions. C'est quelque chose qui semble assez bien établi, avec des pistes de recherche, notamment dans le champ de la schizophrénie. Diapositive suivante. Le changement climatique. Je préfère changement climatique à réchauffement climatique parce que le réchauffement climatique est une composante du changement climatique, notamment dans ses conséquences sur l'instabilité. Et pour en rester dans le champ de la santé, on est sur des conséquences qui touchent à la fois, j'y reviendrai, sur des maladies chroniques et dégénératives, mais évidemment sur un certain nombre de maladies à transmission vectorielle, dengue, palu, chic, etc., etc., et de zoonoses, pour ne rien dire de tout le reste qu'on connaissait déjà. Diapositive suivante, la trop malbouffe. Alors, je préfère ça à la malbouffe. La trop malbouffe, vous voyez sur cette statistique, comment la part des graisses et des sucres, d'ailleurs, a augmenté de façon considérable dans notre alimentation, principalement en lien avec l'industrialisation de l'alimentation, pendant que la part des fruits et légumes diminue, notamment dans les villes et plus particulièrement dans les populations pauvres des villes. Diapositive suivante. On en est donc, voilà un peu pourquoi notre crise, on a réuni à la fois les conditions d'émergence et de diffusion d'un certain nombre de pathogènes, ça ne vient pas de nulle part, cette crise est la première crise, grande pandémie, après celle qu'on avait connue de peste, etc., mais ça n'est certainement pas la dernière. Un système qui nous amène à ce qu'on appelle le double burden of disease, c'est-à-dire la coexistence dans les pays du pauvre de pathologies infectieuses et parasitaires et de pathologies chroniques, hypertension, diabète et de maladies dégénératives, de la même façon qu'on est sur une double charge de malnutrition, c'est-à-dire qu'on a à la fois des problèmes de malnutrition, Cécile l'a dit tout de suite, notamment des petits, et des problèmes de surpoids et d'obésité qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce que, c'est un peu du Raymond Devos ce que je vais vous dire, mais ce ne sont pas parce que ce sont des pathologies de riches ou supposées être de riches qu'elles touchent les riches des pays pauvres, elles touchent les pauvres des pays pauvres, avec des problèmes d'accès aux soins particuliers, notamment pour les pathologies chroniques. Alors, évidemment, on est très loin par cette approche, des approches type OMC qui se réjouit de voir la pauvreté se réduire dans le monde en calculant le pourcentage de la population mondiale ayant plus de $5 par jour. Parce que, ce que Cécile rappelait tout à l'heure, dans un certain nombre de contextes, notamment urbains où la vie est chère, ces $5 par jour ne représentent pas grand-chose. Et évidemment, cette question qui nous permet de cerner un certain nombre de nos communs repose la question qui a été affirmée hier de la relance du multilatéralisme. C'est-à-dire, plutôt que de crier à haut sur les organismes internationaux, leur bureaucratie, etc., etc., c'est de les réformer, de les décloisonner. Cessons ces espèces de guerres de tranchées entre l'OMS et l'UNICEF, l'UNICEF et la FAO, etc., etc. Introduisons à la fois de la démocratie et de la société civile dans ces organismes internationaux. Mais surtout, soyons pas comme Bolsonaro ou Trump, à vouloir casser ces formes de multilatéralisme, essayons plutôt de les améliorer. Le tout, et j'insiste sur ce point parce que c'est à la fois cause et conséquence de tout ce que j'ai décrit, sur fond d'aggravation des pauvretés et de formes de pauvreté de plus en plus multiples. Je n'ai pas le temps de le développer, mais vous voyez ce que ça recouvre. Diapositive suivante. Donc, ce n'est pas faire esprit de système ou être... d'avoir la paresse de l'esprit de système, que dire que ce constat est basé sur une logique de profit immédiat qui, par construction, nous emmène droit vers le mur. Et donc, il va nous falloir faire tout ce travail pour, après ce constat, essayer d'identifier ce que sont nos communs à prendre en compte dans les droits humains et qu'est-ce qui relève de la vocation, de la raison même de la Ligue,
par rapport à toutes ces questions, évidemment. Diapositive suivante. Alors, passons maintenant à notre échelle francilienne, mais ça vaudrait pour New York, ça vaudrait pour beaucoup de villes. Très rapidement, parce que ces choses sont connues, on a vu la combinaison de facteurs, la mise en place d'un système avec des logements des gens particulièrement exposés, je pense à la Seine-Saint-Denis évidemment, des logements de mauvaise qualité, avec de fortes densités, mal aérées, des métiers de première ligne ou avec des populations particulièrement exposées, une offre de soins déficitaire, mal adaptée et un accès aux soins, tous les problèmes d'accessibilité sociale, financière, culturelle aux soins. Dans les mêmes quartiers, des problèmes de morbidité, notamment de pathologies chroniques, surpoids, diabète, hypertension, qui sont, comme on le sait bien, des maladies de pauvres, qui ont fait que les pauvres ont globalement été les plus touchés et que cette épidémie va être facteur de nouvelle pauvreté. On est là dans un cercle vicieux absolument terrible, d'une spirale, dont on ne voit que le début. Diapositive suivante. Donc, la question que l'on peut se poser est celle du coût social de tout ça. Ça vaut au niveau mondial comme au niveau local. Alors, j'entends souvent, notamment notre bon ami Véran, parler du coût social du Covid ou du coût social d'un certain nombre de pathologies récemment sur les problèmes de surdité des enfants et des jeunes adultes au travers des coûts de soins de santé. Mais c'est une façon un peu curieuse de parler du coût social. Qu'est-ce qu'il en est du coût social de la crise en termes de scolarisation, de décrochage d'enfants, par exemple, de désapprentissage de la lecture, du calcul et de la lecture? Qu'est-ce qu'il en est, on évalue le coût social de certaines pertes de formation professionnelle, de certaines formes de socialisation? Comment on évalue le coût social, par exemple, des violences domestiques? On voit bien que cette question du coût social abordée sous l'angle comptable, qui est celle d'un certain nombre de nos dirigeants, on passe à côté de la question essentielle. Donc on connaît maintenant, ça a été bien montré, il ne faut plus considérer la santé comme un coût seulement, la santé a un coût, évidemment, enfin elle a un prix, mais aussi comme un investissement. Et donc, à titre d'exemple, j'ai été membre du conseil scientifique de l'assurance maladie pendant 2 mandats, et j'ai proposé à ce conseil scientifique de s'intéresser au port des lunettes chez les enfants de CE1. Parce qu'il y a 10 points de différence dans le port des lunettes entre les enfants qui sont en ZEP et les enfants qui ne sont pas en ZEP. Ceux qui ne sont pas en ZEP, il y a 10 points de plus d'enfants qui portent des lunettes que pas dans les ZEP. Alors on m'a proposé l'hypothèse que j'ai trouvée très audacieuse, ça voulait dire que les gosses de pauvres ont moins de problèmes de vue. Je ne suis pas convaincu de ça. J'ai donc proposé une étude pour qu'on vérifie ça, dans une démarche de santé publique, en me disant, dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire, ça serait peut-être pas mal de vérifier que les gamins aient des lunettes, parce que si un gamin ne voit pas ce qu'il y a au tableau, il va avoir un petit peu de mal à suivre les cours. On m'a répondu que ça n'était pas un problème de santé publique. Je veux bien, mais le coût social de l'échec scolaire de ces gamins qui n'ont pas de lunettes, j'aimerais bien pourtant qu'on l'évalue. Alors, à propos de lunettes, diapositive suivante, il s'agirait de dire, donc, d'une certaine façon, à quoi on porte attention. Il faut arrêter de regarder les taux moyens. Chacun, on a tous fait un peu d'arithmétique et de statistique, on sait ce que c'est qu'une moyenne. Si vous avez la tête dans un congélateur et les pieds dans un four, en moyenne, vous êtes bien. Et donc, j'ai pris cette photo qui m'a paru intéressante, là, avec des jeunes bobos très très bien. Diapositive suivante, voilà la réalité de la photo. Il y avait quelqu'un qui dormait en dessous. Donc il s'agirait de dire quand même de dire à qui en priorité on porte attention. Diapositive suivante. Donc on est maintenant sur cette question des droits humains et de tous les débats, cette diapositive maintenant est connue, sur le distinguo à faire entre égalité et justice. Et donc ce qui, avec cette aide aux plus faibles ou aux particularités de chacun.
Et ce qui émerge dans le discours, dans la doxa actuelle d'un certain nombre d'organismes internationaux et notamment d'universités américaines, c'est le thème de inequities, c'est l'iniquité, c'est qui est, diapositive suivante, l'idée qu'il y aurait des injustices non évitables, je suis un homme, je ne vais pas avoir de cancer de l'utérus, je suis vieillissant, c'est normal, je ne vais pas avoir la photo, je ne vais pas avoir les problèmes d'un jeune, mais qu'il pourrait y avoir des injustices évitables, c'est ça le concept d'inéquité. Et donc, de développer des politiques visant à réduire ces inéquités. Mais je m'interroge quand même de savoir qui définit ce qu'est injustice évitable et ce qu'est injustice inévitable. Quels sont les critères? Est-ce que c'est celui du coût social dont je parlais tout à l'heure? Est-ce que ce sont les moyens qui sont mobilisés? Et donc, on voit bien qu'on est sur cette question, sur la construction sociale de ce qu'on va considérer comme équitable, inéquitable, inévitable ou évitable. On est dans le débat politique en plein, on est dans le choix de société. Diapositive suivante. Pardon. C'est bon. Et de ce point de vue, je voudrais nous mettre collectivement en garde sur une approche qui serait strictement morale ou philosophique, qui serait bien confortable. On serait dans le camp du bien face à des gens qui seraient dans le camp des méchants. Parce que ça va nous priver d'une réflexion proprement politique sur l'exercice politique. Alors on pourrait prendre, comment définit-on par exemple des priorités? J'ai réalisé il y a quelques années une évaluation du programme régional de santé publique sur la jeunesse dans une région que je ne peux pas citer parce que j'ai un devoir de réserve, mais dont la capitale était Montpellier. Dans ce programme régional de santé publique pour les jeunes, il y avait 101 priorités. Autrement dit, il n'y en avait aucune. Et dans ces 101 priorités, le mot alcool et le mot vin n'étaient pas prononcés. Extraordinaire. Et donc, de savoir comment on définit nos priorités. Je vais prendre un exemple. On a lancé, la France, comme vous le savez, est un des pays européens qui présente les plus mauvais taux de suicide des jeunes, adolescents et jeunes adultes. Il y a donc un programme qui a été mis en place de prévention du suicide des jeunes, parce que ce suicide des jeunes représente, selon les départements, la première ou la deuxième cause de décès des jeunes, avant ou après les accidents. On devrait d'ailleurs additionner à ces taux un certain nombre de comportements à risque qui ont, à certains égards, des traits suicidaires. Parce que ce suicide des jeunes nous interroge collectivement. Quelle perspective de vie offrons-nous à ces jeunes? Qu'est-ce qui fait que ces jeunes n'ont pas envie de mordre la vie à pleines dents? Et donc, il faut qu'on s'interroge là-dessus. Mais quand on fouille un petit peu, j'ai regardé les taux de suicide par classe d'âge. Et je me suis rendu compte que les taux de suicide des personnes âgées étaient plus forts que les taux de suicide des jeunes. Évidemment, ce n'est pas le premier ou la deuxième cause de décès, c'est 12e ou 13e. Mais qu'est-ce qui fait que le suicide des jeunes interroge notre société et le suicide des personnes âgées ne l'interrogerait pas? Est-ce qu'on induit l'idée qu'il y aurait une dimension philosophique là-dedans, qu'il n'y aurait pas de détresse, de solitude, de dépression chez les personnes âgées? On est complètement dans la construction sociale de nos priorités de santé. Et donc, c'est en cela que je voudrais essayer de développer notre réflexion sur les difficultés de la décision politique. Un autre exemple, on a une mesure qui s'appelle la mortalité évitable liée au système de soins. C'est la mortalité qui intervient avant 65 ans, dont on pense, c'est le cas par exemple du cancer du col de l'utérus, si le système de soins avait préventif et curatif avait bien fonctionné, on aurait pu éviter ces décès. C'est grossier, mais ça permet des comparaisons européennes. Et bien que nous ayons le meilleur système de soins dans le monde, a dit l'OMS il y a quelques années déjà, on est très mauvais en Europe par rapport à cette mesure-là. Il faudrait que tu conclues. Je conclue. Donc, on se rend compte que les taux de mortalité évitables liés au système de soins décrivent notamment une grande diagonale qui part des Ardennes au Massif central. C'est là qu'on a les taux les plus forts.
et des taux plus faibles dans les grandes agglomérations urbaines. Mais si on rapporte ces taux à de faibles dénominateurs de population, on se rend compte que si on allouait des ressources dans ces zones, on sauverait peu de vies. Or, dans un certain nombre de zones très denses, où les taux sont plus faibles, en allouant les mêmes ressources, on sauverait davantage de vies. Est-ce qu'il faut choisir l'équité ou l'efficience ? Typiquement, c'est une question politique sur laquelle il nous faudrait nous pencher. Je le dis parce que je suis fait partie de tout un groupe qui essaye de promouvoir le health in all policies, la santé dans toutes les politiques. Mais on pourrait le développer dans tous les domaines, c'est-à-dire l'environnement dans toutes les politiques, etc. Cesser notre fonctionnement en silo pour essayer de développer, notamment dans l'exercice politique, ces interconnexions, ces approches plus globales. Et je termine. C'est fondamentalement la question du lien entre démocratie et santé. Il en est comme dans ce champ comme en science, si les hypothèses ne sont pas explicites, elles sont implicites, elles nous gouvernent. On doit donc, dans le débat politique, oser montrer les avantages et les inconvénients à telle ou telle solution. S'il n'y avait que des avantages, ça serait depuis longtemps, et être dans ce débat. Et sur ce qu'on a appelé un peu vide de contenu à la façon Kouchner, démocratie sanitaire, je pense qu'on a une vraie réflexion à faire, collective, comme entre adultes. Et puis plus globalement, entre science et démocratie, je ne reviens pas sur les vagues de populisme scientifique qu'on a eu à subir ces derniers temps, mais qui posent l'énorme responsabilité des scientifiques vis-à-vis des décideurs, de ce qu'on a appelé aussi les courtiers de la science, et qui constitue un sujet extrêmement difficile. Je vous remercie.